Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 67e, il me semble, l'épisode de Pokémon version rouge-feu. La dernière fois nous avions affronté Aldo et aujourd'hui nous avons affronté Agatha avec Torch, qui a normalement la pièce rune. Et du coup, bah c'est parti. Je suis Agatha du Conseil 4. Chaîne mise de grands esprits sur toi. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Il veut juste frimer avec son Pokédex. Mais c'est stupide! Les Pokémon servent à combattre. Kan, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Grand dresseur... Ça va un peu vieilli Agatha quand même. Hein. Ectoplasma. Ectoplasma. Torch. Alors Ectoplasma a une défense de chips. Par contre toxique, ça va faire mal. Blblblbl. Du coup, j'espère que vous suivez toujours le let's play malgré sa longueur. Ok. Torch. Souffre du poison. Oh non, commence pas avec reflet par contre. J'aime beaucoup l'attaque reflet, mais quand c'est comme ça, non, pas trop. Ok. J'espère qu'elle va envoyer Nosferatu ou Arbok. Nosferatu. Du coup, là, on va envoyer Forky. On va soigner Torch. Et on va défoncer ce Nosferatu. Sac. Le total soin. Torch. Crochet venin. Allez. Ah. Nosferatu normalement ne me tanque pas. Une attaque tonnerre. Et je pense qu'on tanque une deuxième attaque. Crochet venin. Du coup tonnerre. On va pas tenter Fatal Foudre, ça serait un peu trop risqué, je pense. Je le savais. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Du coup, bah là, on va utiliser une guérison pour soigner nos PV, notre confusion et également notre empoisonnement. Parce que ça se voit à 30 km que Agatha va utiliser une guérison elle aussi. Voilà. Du coup, si on fait un coup critique ou un max roll, on devrait mettre KO, Nosferatu. Du coup, tonnerre. On a fait un min roll. Crochet venin. Allez, Sparky. Yes. Vive attaque. Non! Non. Normalement elle n'a pas de guérison, du coup on va refaire vive attaque. C'est pas grave, le poison on pourra se soigner ensuite. Hop, Sparky passe niveau 51. Arbok. Contre Arbok, j'envoie Dodo. Je pense que c'est le meilleur choix. Il a assez bonne défense, beaucoup de PV. Et un Pokémon qui tape fort. Charmac. Plaquage. Peut-être une paralysie possible, ça serait pas mal. Nice. On va refaire plaquage. Bomberk. Ça fait mal. Plaquage again. Ça fait mal. Est-ce que le type poison était physique? Je pense pas. Du coup on va envoyer Torch. Torchy. Contre un deuxième Ectoplasma. Ectoplasma. Est-ce qu'on tente déflagration? J'ai bien envie de tenter déflagration. Bomberk.
fait extrêmement mal et déflagration passe. Ça ne le met pas KO mais ça active sa baie. Morsure. Hypnose. Attendez. Ectoplasma. On va switcher sur Dodo. Normalement là il va faire Dévorev. Non, il fait Bomberk. Adieu Dodo. Tout cela n'était point prévu mon ami. Du coup, Send. Send avec vol. Hypnose et ça passe pas. Bim. 60% de précision, hypnose, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai pas vu son relève combien, mais je pense qu'une deuxième vol de V suffit. On va espérer que ça passe. Elle est cruelle. Cruelle, s'il te plaît. Coup critique. Non, je peux pas faire vive attaque. Ce combat était très long. On va laisser tomber KO, je pense, Send. On va envoyer Floraison. Lui faire faire Vampigrem et soigner Torche, je pense. Je me pensais, mais Dodo aurait été parfait, mais il n'a aucune attaque qui peuvent toucher. Cauchemar. Je n'avais jamais vu l'animation de cette attaque. Je suis désolé, Sen. Vampigrem. Je pense qu'une attaque tranchère devrait faire des dégâts. Non! Arrêtez de m'endormir! Comment c'est être aussi chiante que... Ça s'appelle comment l'autre déjà? Je sais plus elle s'appelle comment. La première bande du Olga, elle commence à avoir aussi chiant qu'Olga là par contre. Wait. Oh, j'ai juste appuyé sur R, ça va le voir. What the bug? Ok. Où va Froelian? Et il lui reste encore un Pokémon. C'est qui? Spectrum, peut-être? Qui ça peut bien être? Spectrum, je pense? Oui. Du coup, pour Spectrum, on va envoyer Torche. Torche devrait tanker, je pense. Morsure. Oh mais non! Vous êtes sérieux là? C'est pas sympa de m'endormir tout le temps. Hein.
On va passer le truc de la pokéflûte, hein. Regard noir. Bon, on peut plus switch. Morsure. Je vais commencer à m'énerver. De vos rêves. Voilà, morsure. Voilà, 40% équipe franque cette attaque rate. Ok, une autre morsure. J'en ai marre. Je suis désolé, mais là j'en veux plus. Ça va faire 10 minutes de vidéo, on a toujours pas fini le combat. J'imagine pas contre Shaolino, ça va être comment. Allez hop. Non. J'en ai marre. On va switcher. Cogne. Ah, je peux pas switcher. Hop, guérison. Et morsure. J'avais commencé à pleurer. Pokéflûte. Dévorer. Et ça va jouer au pépé là. Hein. Enfin. Alléluia. Je veux une vague de GG dans les commentaires. S'il vous plaît. Oh, pas mal, tu as du talent. Et je t'emmerde. Je te déteste. Je sais pas pourquoi le vieux chien apprécie autant. Je n'ai rien à ajouter. Tu peux passer. Enfin, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été très longue. Du coup, on se retrouve donc, j'espère, très bientôt pour nos prochaines aventures. C'était Pokémon 5 et je vous dis enjoy!